D'après vous, dans un bras de fer entre le géant du hamburger et un hérisson, qui l'emporte? Vous ne soupçonnez pas le capital sympathie du hérisson. Il y a quelques années, le roi du fast-food américain commercialise une glace coiffée d'un chapeau de plastique. Le hérisson, en plus d'être mignon, est très gourmand. Il se coince systématiquement la tête dans le capuchon jeté par terre et meurt étouffé. Les amis du hérisson et les défenseurs de la nature ont eu gain de cause et le roi du burger a dû revoir son design. Le hérisson des villes a le vent en poupe. Il est devenu l'allié des élus. C'est une espèce parapluie, un bon voisin qui garantit une belle biodiversité. En métropole, son terrain de chasse est réduit par 10 et il s'est même adapté aux horaires des citadins pour éviter les accidents. Désormais, les maires éclairés font tout pour le garder au chaud. Mais dans nos campagnes, le hérisson des champs meurt oublié par millions. Alors on fait quoi? On mise tout sur la ville? Il est temps de changer de légende. Vous voulez une piste? La région est le meilleur allié de la ville. Parole de hérisson.